Oui, professeur Mbondi, nous nous rendons compte que je ne voudrais pas dire que vous êtes très rapproché de Cheikh Anta Diop, mais à la lumière de tout ce que vous nous avez dit, comment est-ce qu'on peut vous définir? Qui est le professeur Mbondi? Oh, c'est difficile de répondre à ce type de questions. Le moi, dit-on, est haïssable. Mais je suis un Camerounais, je suis Camerounais. J'ai fait des études d'anthropologie, de sociologie dans mon pays. J'ai fait une thèse ici. Ensuite, je suis allé en France pour faire une thèse de doctorat d'État à Jussieu, dans l'université Paris 7. J'ai toujours été attiré par les problèmes de culture, les problèmes d'identité culturelle et les problèmes de développement de l'Afrique. Vous évoquez Cheikh Anta Diop. Oui, j'ai eu l'insigne honneur de partager un repas avec lui. Je l'ai côtoyé comme j'ai côtoyé Théophile Obenga. Ceux qui sont au Cameroun savent également que j'ai été formaté, entre guillemets, par le prince des cas, quoi, Nyadia Bonambela. Donc, ce qui fait que mon discours, s'il est scientifique, parce que je suis anthropologue, je suis un universitaire, il est aussi un peu, pas nationaliste ou patriotique, mais il n'échappe à personne que les enjeux aujourd'hui, les enjeux civilisationnels, sont également des enjeux d'identité. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, il va être difficile de vous développer, il va être difficile de savoir. Donc, le professeur Mbondi est anthropologue, il est enseignant, il est chef traditionnel. Le professeur Mbondi a écrit, a côtoyé des aînés qui lui ont transmis ce virus de l'Afrique, la passion pour vraiment. Pas la nation africaine, comme j'ai pas d'ambition politique, je ne voudrais pas rassembler tous les Africains noirs autour d'une nation. Mais en tant que spécialiste des cultures, c'est la dimension culturelle. Comment partir de la culture, partir des cultures pour sortir l'Afrique de là. Mais pas au sens développementaliste, parce que ce n'est pas l'économicisme qui m'intéresse, mais je dis qu'il y a cette dimension initiatique, spirituelle, qui échappe à beaucoup de gens, mais qui est là et que j'ai essayé de reconstituer à travers mes recherches. Professeur Mbondi, je vous remercie infiniment et je pense que cela a été tout un plaisir pour nous de vous avoir et de recevoir toutes ces explications. Et je pense que nous ferons bon usage de ce que nous avons appris de votre part en cette matinée. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie.